Selon la civilisation de la forêt, chez les Bantous, là-bas et chez les Métiboulouphans qui sont des Bantous, la marche vers le progrès repose sur un triptyque de dictons. Au Cameroun, le premier est Bamileke, il dit « Pour aller de l'avant, il vaut mieux garder la tête tournée vers l'arrière. » Les Bassa répondent en écho en ces termes. Chaque arbre se développe à partir de ses propres racines. Les Bétis disent on ne peut aller de l'avant qu'en maîtrisant d'où l'on vient. Sans m'avoir rencontré, s'inscrit justement dans cette idéologie qui consiste à vendre l'Afrique au monde entier. Retour aux sources ne consiste pas à demander aux Africains de se vêtir de peau de bête et de plumes d'oiseaux. Non. Allons-y voir la technique que nos ancêtres ont utilisée pour mettre ensemble et en harmonie les plumes d'oiseaux et puis les peaux de bête. Réactualisons le tout. Alors, quand je reçois l'invitation en Vétard, c'est plein d'émotion. Parce que cette initiative, dont je connais heureusement tous les concepteurs, c'est des enfants que nous avons vus grandir, cette initiative me plaît. C'est quoi l'invet? Le concept d'invet est un triptyque. Il renvoie d'abord à un instrument de musique, qui est un cordophone. Ce cordophone-là qui a accompagné les poésies épiques. Donc c'est d'abord un instrument de musique. Mvet renvoie à une poésie épique déclamée avec accompagnement du cordophone Mvet. Et le troisième élément du triptyque, c'est quoi? Le Mvet renvoie à un genre majeur de la littérature orale. Mon village et niché au cœur de la forêt, comme une calvitie sur la tête. Et son feuillage touffu regorge de secrets, contes et légendes. Ah oula oula! Ce jour-là était très calme. Macamayon, Macamayon, Macamayon est amé au soleil. Au soleil, Macamayon est amé. Compte tenu la structuration de la toute première édition de Vétard, entremêle mais de façon harmonieuse des expositions de peinture, des expositions de sculpture, des expositions sur la statuaire fin. Maintenant, des spectacles sur le champ.
patrimonial. Sur la danse patrimoniale, mais également des expressions sur le chant moderne et la danse moderne, sans oublier, et c'est là où je suis interpellé, des échanges. De réflexion sur la lecture au second degré, sur le décryptage, sur un discours qui voudrait décrypter maintenant les grands supports de la culture camerounaise. Et aujourd'hui, pour cette première phase d'édition, nous avons articulé notre réflexion sur une meilleure connaissance d'une coule qui est le tambour parlant, qui est le tambour à fente, qui est le téléphone ancestral des fentes. Nous avons également axé notre réflexion sur une meilleure connaissance du vet. Le vet, il est indiqué que il a été révélé à un homme appelé Oyolo Adangono à l'occasion d'un coma proche de la mort. Il est resté étalé mort, merci beaucoup, pendant 4 jours. Pendant qu'on préparait ses obsèques, Oyona Dangono, qu'on connaît pour mort, a vu sa tête s'ouvrir. C'est comme ça qu'on dit chez les Bantous. C'est-à-dire, il s'est retrouvé subitement dans un monde de lumière où le Créateur lui a révélé la cosmogénèse, c'est-à-dire comment est-ce qu'il a créé le monde, où il a révélé à Oyona Dangono le principe des arts, le principe de la technologie, le principe de la science. Maintenant, quand Oyona Dangono sort de son coma 4 jours après, alors qu'on s'apprêtait à l'enterrer, qu'est-ce qu'il a fait?
Son premier mouvement a consisté à se rendre au marécage le plus proche, où il a coupé un stiff de bambou raffia et a fabriqué le premier vin. Nous avons axé notre réflexion, nos échanges, sur ce que nous appelons au Cameroun aujourd'hui la crypto-communication. C'est-à-dire la communication transcendantale, la communication avec le cosmos, la communication initiatique, la communication avec l'ancestralité. Monsieur tout le monde recevait comme une instruction à la naissance d'apprendre à décrypter le monde. Homme, femme. Parce que pendant que vous êtes au village, une information importante pouvait être diffusée, il fallait que vous soyez en mesure de la dire. Monsieur tout le monde également était invité à apprendre à jouer du boule, la petite fille, comme le petit garçon. Sorcier renvoie simplement à tout ce qui est extraordinaire. Extraordinaire en bien ou en mal. Charles Atangana, quand il est décédé à Yaoundé, on a joué du tam-tam pour annoncer la disparition du grand chef des Ewolo. On a joué de ce tam-tam vers 20 heures et à minuit, le tam-tam relaie ce que en communication on appelle la rétroaction, c'est-à-dire le feedback, c'est-à-dire la réponse que le récepteur renvoie à l'émetteur. À minuit, le feedback est arrivé de Kribi, est arrivé de la Guinée équatoriale, qui est un autre pays à plus de 1000 km, est arrivé du Gabon. Le feedback est arrivé également du nord du Congo, où il y a des bruits. Où tout le monde disait, nous avons reçu cette macabre information, eh bien, nous prenons la route pour venir aux obsèques. Il va jouer du coup pour attirer les rongeurs
dans les plantations des autres. Donc l'instrument est notre. L'initié n'est pas notre. Il est initié à la mystique, soit positive, soit négative. Mais pour les nôtres, il va rendre l'usage pour lequel vous l'avez sollicité. Et tu vois l'exemple que j'ai donné. Le poulet découvert il y a 10 000 ans. Mais la colonisation, c'est peut-être 300 ans, 400, maximum 500 ans. Mais avec l'arrivée d'une réalité nouvelle, on a donné des noms nouveaux à ces réalités-là. Donc, le poule a suivi son temps. C'est maintenant que les problèmes commencent à se poser parce que on ne s'y intéresse plus suffisamment. Donc, son adaptabilité est en train de connaître des problèmes. Aujourd'hui ne font pas un effort d'innovation et de novation conférer un caractère nouveau aux usages d'une poule. Donc pour le moment il joue, il s'arrête uniquement aux fonctions classiques qu'on lui a connues. C'est dommage, et ce que nous mettons dans la tête des enfants, c'est d'être assez prospectif et de permettre aux poules de passer à d'autres étapes. Ici, Vettar a travaillé à l'adjonction du beau et du bon. Le beau à travers les spectacles auxquels on a assisté, le bon à travers la réflexion profonde qui a été conduite par le patriarche que je suis modestement. Il s'agit de la diffusion des valeurs ancestrales africaines. Les cultures se valent tous. Combat des cultures n'a pas lieu d'être. On cherche à l'appréhender, on cherche à la comprendre. Baoulé, 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 nana, papi nous croit. Dingo ko wo 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 eh.
Cha 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 c